Bonjour à tous, aujourd'hui je lance le nouveau défi créatif de cette chaîne qui a pour thème une technique qu'on n'a encore jamais utilisée dans ce cadre, à savoir la 3D. Vous avez vu dans les vidéos précédentes que je suis assez 3D en ce moment. Et le thème de ce défi, c'est la 3D au sens large, à savoir que vous allez pouvoir utiliser n'importe quel logiciel bien sûr, mais aussi faire n'importe quelle scène, n'importe quel personnage, n'importe quel objet, simplement travailler de la 3D, me le proposer dans les commentaires ici pour qu'ensuite j'en parle dans une vidéo bilan. Ça peut être de la 3D pure, de la modélisation de créatures, de personnages, de voitures, de la création de décors, mais aussi de la modélisation 3D qui va servir de support ou de mixture avec de la 2D, comme je l'ai fait dans une vidéo précédente où je montrais une peinture qui a été faite à partir d'une référence faite en 3D. Tout est possible, c'est pour tout niveau, donc si vous débutez, je vous invite à installer par exemple Blender ou n'importe quel autre logiciel 3D pour apprendre un petit peu les bases et faire quelques premières choses. Si vous êtes plus expérimenté, vous savez déjà comment faire et vous allez certainement faire les travaux les plus impressionnants. Comme d'habitude, pour participer à ce défi, il faut placer des liens vers votre travail dans les commentaires de cette vidéo précisément. Donc un lien vers tout et n'importe quoi, votre site, votre chaîne YouTube, votre Instagram. Peu importe, tant que je peux juste cliquer dessus et aller voir votre travail. Et je vous invite encore une fois, si c'est possible pour vous de le faire et si ça vous intéresse, de faire une vidéo sur votre travail. Donc comment est-ce que vous avez créé ça, comment vous l'avez conçu, dessiné des références, comment vous l'avez modélisé, vos techniques, vos astuces, bref, de montrer les coulisses de votre création parce que ça pourra aider beaucoup de monde à comprendre comment vous travaillez et à choper des techniques pour pouvoir les utiliser pour nos propres créations. Il n'y a aucun besoin de retenir l'information, je suis vraiment pour ce partage-là. Au niveau de la date limite, vous avez jusqu'au 30 avril pour participer, pour mettre un commentaire vers votre travail dans les commentaires de cette vidéo. Et début mai, je ferai une vidéo bilan sur vos travaux en 3D, où je parlerai un petit peu de ce que je pense, de ce que vous avez fait, de vos techniques, de tout ce que vous faites. Voilà pour les explications, je sais que c'est un petit peu plus fermé que d'habitude, on va dire, étant donné qu'il y a moins de monde qui fait de la 3D que de personnes qui font du dessin sur ma chaîne. Mais j'ai envie de lancer ce défi-là pour voir un petit peu ce que vous savez faire et pour pouvoir aussi peut-être vous motiver à faire de la 3D même en tant que débutant. Parce que c'est aussi un super outil pour développer des compétences artistiques, techniques aussi, et aussi pour raconter des histoires avec vos personnages, etc. J'espère que ça vous intéresse, que vous êtes motivé pour créer des choses en 3D et les partager avec nous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.